Je me nomme Benissa, j'ai 10 ans. Je me nomme Vicky, j'ai 11 ans. Je me nomme Sandra, j'ai 12 ans. Je me nomme Luc, j'ai 14 ans. Je me nomme Juliane, j'ai 15 ans. Je me nomme Osvaldo, j'ai 14 ans. Je me nomme Yann, j'ai 10 ans. Je me nomme Sénamé. Je suis avec Elom. Ok, donc on va faire un petit atelier avec vous. Mais encore une fois, ce n'est pas comme à l'école, d'accord? Vous dites vraiment ce que vous voulez, ce que vous pensez. Et ce que vous avez envie de faire, vous nous dites, voilà ce qu'on a envie de faire. Je veux demander pourquoi l'animal est là-bas mort. Le phosphate est dur. Le phosphate peut enlever son sang et faire du mal dans son ventre, dans ses os. La tortue, parfois, il sort, il vient rester, il prend un peu de l'air avant de rentrer. Mais je vois qu'à cause de la phosphate, la tortue, il est sorti, mais il ne peut plus rentrer. La tortue est morte parce que la mer ne prend pas ce qui est mort. C'est pourquoi il est venu là-bas. Comme le phosphate se verse dans la mer devient jaune. Je vais demander comment la mer a pris la tortue de la mer jusqu'à arriver sur le sable ici. Commencement de tout ceci, il n'y avait rien. Baignant dans son propre fluide, rien était un état qui ne connaissait pas le manque étant total et donc complet. Cet état se reconnaissait en lui-même, c'était l'harmonie. L'harmonie avait forme indistincte où se trouvait toute forme. Elle se mit à tourner sur elle-même, emportée par cette plénitude qui l'emplissait. Elle girait ainsi l'harmonie, travaillait dans ses entrailles de tout le possible. Mais comme une joie n'est accomplie que transmise, l'harmonie voulut partager son bonheur. Elle se reconnut animée en tourbillon du seul désir d'enfanter. Au paroxysme de sa gésine, l'harmonie éclata. La scission donna à voir qu'un était quatre. Les choses venaient d'enfanter les éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Ces quatre manifestations étaient spéciales, complémentaires mais uniques. Ensemble, elles réalisaient le tout. Mais chaque élément se trouvait incomplet tout seul. Les éléments étaient en effet chacun profondément habités de la nostalgie, de l'intrication originelle. Cette nostalgie est le sens de l'existence, l'effort de toute chose devant tendre à l'harmonie, l'harmonie étant le modèle de toute chose. Avec l'explosion primordiale, le manque venait ainsi d'entrer au monde. L'harmonie même commença de regretter son éclatement. Chaque élément se vivait comme une amputation. Le désir de retrouver la plénitude les jeta dans des expérimentations troublantes. Ils se mirent à faire des enfants. Voici ce que donna leurs amours. L'eau eut un enfant avec l'air d'abord. On lui donna nom, Mamiwata. Elle était précieuse et distante. Son chant seul rappelait au monde son existence, animant la surface des océans. L'air fit un autre enfant avec le feu, et cela donna Yebieso, fils surpuissant et quelque peu colérique qui torturait le ciel lui arrachant des éclairs. Le feu s'unit avec la terre ensuite, le résultat fut Gon, rejetant avorton, indécemment doué et reclus qui élaborait d'énigmatiques ouvrages céramiques et métalliques. Pour finir, terre et eau, une progéniture espiègle qui aimait l'obscurité et se lovait dans quelques trous humides. On décida qu'on appellerait celui-là Dan. Ce fut un long effort vain, car Mami et Biesso, Gon et Dan, à quatre étaient un, mais chacun n'était que deux. Voici quatre dualités bien solitaires. L'harmonie n'avait pas été atteinte à nouveau. Le manque persistait. Alors on plaça chacune de ces entités doubles au carrefour des deux éléments parents.
Ainsi, dans, au lieu de rencontre de la terre et de l'eau, mamie, quant à elle, organisait quelque part la danse de l'eau et de l'air, et Biesso frottait l'air au feu et Gou amalgamait le feu à la terre. Mais les éléments ne renonçaient pas au projet de recréer l'harmonie. Ils firent un jour, ensemble, une nouvelle tentative. Cela donna un être faible, conclut d'abord une nouvelle expérience ratée, tant ce cinquième enfant peinait à la vie. Mais il surprit rapidement. En effet, il connaissait intimement l'eau pour être resté d'abord un moment recroquevillé dans lui. Puis il se mit à ramper par terre, la mesurant sous toute proportion. Il finit par se tenir tout à fait droit, pour achever plus vite de la parcourir, et dès qu'il fut debout, il entreprit de maîtriser le feu. Il le fit tant et si bien que bientôt, de toutes les machines formidables que ce dernier lui permettait de réaliser, il se lança à la conquête des airs. Il fut évident qu'il avait tout. À rebours de ses aînés, l'homme unifiait le monde. Alors les éléments jugèrent que l'harmonie était de retour et, heureux, présentèrent leur jeune frère au gardien. Ces derniers, d'abord sceptiques, durent reconnaître l'extrême vivacité du Benjamin avant de se trouver définitivement séduits par lui. L'homme était en effet plus raffiné que mamie même, plus conquérant que Ebiesso, plus créatif que Gou et plus profond que Dan. Mais les gardiens perçurent aussi rapidement quelque chose d'inquiétant en lui. La soif et l'appétit de l'homme paraissaient sans limite. Il interrogeait et renversait tout. C'était extraordinaire ce que le Benjamin de la création pouvait faire. D'abord, systématiquement, il consultait ses aînés à propos des choses, puis finit par s'émanciper de leurs opinions. Les gardiens tombaient dans l'oubli, le désir de l'homme se déploya tel l'horizon. L'homme se mit à embrasser, puis embraser tout. Son activité commença à étouffer la terre. L'eau devint grise, l'air s'emplit d'odeur, et le feu même, pour être trop sollicité, se retrouva trouble. Les gardiens eurent l'intuition du danger que, devenu esclave de son hubris, leur frère put devenir un lieu de divorce entre les choses. Alertés, ils tinrent conseil et convinrent qu'il ne fallait jamais le laisser sans surveillance. Aussitôt dit, aussitôt oublié, car mamie s'en retourna loin, sourlée les tresses sur quelques rochers au milieu des mers. Shango, là-haut, était occupé à piquer de nouvelles crises. Gou, en son atelier, travaillait à on ne sait quel ouvrage et Dan s'était abandonné à un troglodytique long sommeil. Chacun croyant qu'un autre ou les autres avaient fait son affaire de contrôler l'homme. Quand ils émergèrent de leur retraite, ils virent que l'homme avait rempli la terre d'une nouvelle création, la ville. Des villes partout, des villes de tout genre, s'étendant à perte de vue, faisant craquer les articulations du monde. L'homme avait tout contaminé de sa frénésie. Gou se trouvait harassé de la matière devenue ingérable et qui lui fuyait sous les doigts. Dan ne trouva plus bientôt un seul coin d'alcôve bon où se couler. Mamie se mourait, son royaume n'était plus que cloaque et miasme. Les relents qui s'arrachaient des eaux tissaient avec l'air, augmentant la colère de Ebiesso. Ils comprirent leur erreur. Conscients qu'ils ne pourraient jamais abandonner leur occupation, ils décidèrent de créer un nouvel être dédié à la mission d'accompagner et de raisonner l'homme. Ils firent la tortue. Elle arriva, dit-on, à minuit chez l'homme qui l'adopta. L'homme aima tout de suite ce nouvel ami. Tant qu'elle restait à ses côtés, la tortue faisait son métier d'être la conscience de l'homme. Elle lui conseillait de réfréner ses envies, lui trouvait des solutions pour recycler par exemple ses déchets. Elle lui rappelait l'harmonie. La tortue incarnait l'intelligence de l'homme. Elle devint son meilleur compagnon. Alors les choses commencèrent à se résorber. Tout était pour le mieux. Puis un jour, la tortue voulut découvrir le monde. Elle prévint son ami de son projet, un voyage bref. Elle lui fit promettre qu'il n'entreprendra rien tant qu'elle sera au loin. L'homme promit. La tortue partit, il s'ennuya très vite. L'inaction lui fit bientôt tout à fait insupportable.
Il décida de fabriquer quelque chose, une usine, une petite, une toute petite, sans aucune conséquence. Il fit cela, mais vit que, même petite, l'usine générait du rebut, toxique. Il eut honte, voulut dissimuler ça, son ami s'en revenant bientôt. Il déversa alors, promptement, les déchets dans un coin de mer. Mais voilà que la tortue sur le chemin du retour, pour se faire belle pour la rencontre de son ami, voulut prendre un bain et se jeta dans le même coin de mer. بقيت تعلمت أول حاجة إنه تغطي حيوانات عدم أشعة وحيوانات تجرب رشح حاجات خايبة وما تنجمش توصل الرسالة بتاعها لينا لذلك علاش لازمنا نحن نعاونوهم ولازمنا نحافظوا عليهم ونحاولوا نوعيوا العبيد أكثر يحاولوا يخفوا شوية من معناها التلوث والحاجة اللي يعملوا فيها باش ينجموا يحافظوا على حيوانات هذيك خاطر حيوانات هذيك ياسر مهمة في أي بيت دون أنا كيف حياة الكل لازمني ما نستعملش بلاستيك ما نطيش بلاستيك نعرفش وين يجي باش كان فما عش تاع التورتو ما نعرفش عليه ونقسم الضوء كي نمشي للبحر نقعد في الليل نقص في الضوء اني انا ما عادش نطيش البلاستيك وما عادش نستعملهم كي نقص من شويه من استعمال البلاستيك صيادة ساعات ما يفبتش الشبك نتاعهم يعني عادي يهزوا في كيرن يهزوا برشا حاجات ومن بعد هو يرجعوا الماء يقعد تخليه عندهم تخليه حتى تموت كان جيت حيوان يكون عصفور معليش باش نعيش حر دونك عسلامتكم انا اسمي حامد ملاط اخصائي على في حماية السلاحف البحرية في تونس نخدم في مشروع بين الاتحاد الأوروبي وكلية العلوم بصفاقس على حماية السلاحف البحرية في خليج جابس وفي البحر بصفة عام اليوم مع بعضنا باش نحاولوا نعرفوا شنو هما السلاحف شنو هما السلاحف البحرية نكتشفوهم مع بعضنا علاش نحميوه في السلاحف البحرية شنو هما أهم المخاطر الخطر اللي نجم يهدد الحياة نتاعها ويخليها توصل مرحلة الانقراض وش قاعدة تعمل تونس معناها المجهودات اللي صايرة من الشباب والباحثين اللي يخدموا في العلوم وإلا الجمعيات اللي قداش من عام بدأت تخدم في الحاجة هذه وشنو قاعدين يعملوا توا وشنو ما أهم البلايس اللي نجموا نشوفوا فيهم سلاحف البحرية دونك هذا الكل مع بعضنا ماذا بينا نسمعوا بعضنا أي سورتون حبكم تسألوني برشا خاطر كل واحد ماذا بيه يروح بعشر معلومات على سلاحف البحرية باش من بعد تحكيوا لأصحابكم توصلوا لهم المعلومة علاش نحميوا في السلاحف البحرية وقيمتهم خاصة الفاكرونة هذه متاع البحر علاش نحميوا فيها وأهم المخاطر وين نجم نشوفوها في تونس نجم راهو من هنا للصيف الجاي ننظموا حاجة مع بعضنا الناس الكل ونشوفوا الفكرة متاع البحر دونك هذا اليوم مش نعملوا مع بعضنا أما نحبكم تسألوني معناها أي سؤال يجي على بالك ما تقولش يضحك ولا ما يضحكش أسأل وأنا نجاوب واضح قبل ما نبداو نحكي له على السلاحف ما نمشوش البحر السلاحف البحرية أنت بصفة عامة شكون عنده فكرة على الفاكرونة ريتش فاكرونة قبل فين فين ريتها في دان فاكرونة نتاع البر الناس كلنا نعرفوا هذيك باه والفاكرونة البحر شكون راها قبل في التلفزة لا مش في التلفزة وين ربيتوها في أكواريوم قلت لي فما واحدة مربينها في الدار هكا ولا باهي مربينا في اكواريوم نمشي نقول القايل بعد ما حكينا هذا كل هي سلحفات ما دام يطعون في الماء دونك هي سلحفات بحري بحري ما فيش تعمل في الماء الحلو لا دونك عاوز نعطيك معلش باهي نحن نعرفوا تو كنا نحكيهم بكري فما سلاحف بحريه وفما سلاحف بر بريه فما نوع اخر ثالث سلاحف المياه العذبه لي تورتو دو دوس دونك عندنا البريه والبحريه وسلاحف المياه العذبه اللي نلقوهم خاصه في الانهار وفي الوديان الفرق اللي لازم نكبتيوه اللي هو واحد يمشي على الاظافر ولا المخالب اللي هي البريه واحد النوع الثاني البحريه اللي هي تعوم بك الزعانف الكبيره وبالنسبه لسلاحف المياه العذبه تمشي صحيح بالمخالب لكن بين المخالب فما غشاء كي تحلو تحت الماء يخليها تعوم واضح
باهي، خلينا نمشيو توا للسلاحف البحريه. السلاحف البحريه حسب توا حكينا على السلاحف بصفه عامه ثلاثه انواع، ثلاثه عائلات. صارت ريتها وانا قلت مين نعرف. يعطيك الصحه، فما سبعه انواع نتاع سلاحف بحريه، مهمه برشا المعلومه هذه. لكن في البحر الابيض المتوسط فما ثلاثه انواع فقط. نعطيكم معلومه، وقتاش نقولوا انه السلحفات هذه موجوده في البلاصه هذيك، وقتاش نقولوا ماهيش موجوده. وقت اللي نقول لكم فما ثلاثه انواع، يعني في البحر الابيض المتوسط يبيضوا على الشواطئ ولا على سواحل البحر الابيض المتوسط، دونك النوع هذاك عندنا. والا يجيوا الاماكن اللي يتغذوا قريب، معنا في البحورات ولا في الخلجان، يعني جمع خليج كما عندنا في تونس، خليج جابس وخليج الحمامات. دونك يجيو باش يتغذاو ويعديو فتره الشتويه. تو نعرفوا علاش من بعد يجيونا في الشتاء، خاصه خليج جابس اللي يبدا من المهديه حتى الحدود الليبيه. واضح؟ دونك يجيو للاكل والدفء. فما كلمه تقول ما نقولش يجيو، شو نقولوا نورمالمون؟ يهاجر. يهاجر صحيح. دونك سي ان انيمال ميغراتور، حيوان مهاجر. والهجره خاصه للدفء والاكل والتكاثر. واضح؟ دونك انا ثلاثة انواع في البحر الابيض المتوسط، اللي هما النوع هذا اللي هو اكبر فكرونه تاع بحر موجوده في العالم، واللي تنجم توصل قد الطاوله هذه اللي قاعدين عليها. هاي الكحله تتسمى، والوحيده اللي ما عندهاش الشكل اللي نعرفوه تاع القوقعه العاديه. تحسوا جلد التمساح فيه خمسه خطوط كبار، كحله وفيها نقاط رماديه وبيضاء. الفكرونه هذه 90% من الاكل نتاعها، من الريجيم اليمونتير نتاعها، هم الحريق. اكثر نوع ياكل حريق. واضح؟ تشدوه في ظهر، تشدوه في مخاخنا. النوع هذاك اللي في الوسط اللي تشوفوا فيه توا في كل تصويره، هذاك هي السلحفات جلديه الظهر. سلحفات جلديه الظهر. عاود باش تقعد في المخ. تنحطوا على الانواع الموجودين في البحر الابيض المتوسط. الظهر. خاطر ظهرها مش قوقعة كما نعرفوا الاخرين، الباقي الكل الست انواع الاخرين درقيق. شوفوا اللي هما عندهم قوقعة. واضح؟ سديناه النوع هذا، واش قلنا الخاصية نتاعو؟ اللي هو كبير برشا. و90% من الريجيم اليمونتير نتاعو، يعني من الاكل نتاعو، هي الحريق، يحب برشا الحريق. وما تفاجئوش راهي كبيرة برشا، أما راهي ما تهاجمش. واضح؟ أما هذه تدخل لنا من المحيط الأطلسي، من مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا، باش تاكل توصل حتى الخليج جابس، تعدي الشتاء غادي تاكل، وبعد تعاود تهاجر من نفس البلاصه باش تبيض في السواحل الافريقيه ولا سواحل، المهم اي ساحل تابع المحيط الاطلسي. نحن في البحث العلمي خاصه نجيبوا الجثث نتاع الفكان اللي تموت ونشرحوه، خاصه باش نشوفوا واش عندهم في المعده نتاعهم. سبب الموت. سبب الموت على 10 فكير نلقاو بين 7 و8 عندهم البلاستيك في كروش، هو السبب الرئيسي وقت الوفاه. هاك الساشيه اللي نقولوا ما يساشيه هي بربي، نعمل هاك نلوحها. 80% من اي حاجه تتلوح في البر تمشي تلقاها في البحر. فما قاره كامله 4 ولا 5 مرات قد فرنسا موجوده في المحيطات، في التقاء المحيطات، قد قاره بالضبط. كلها زبله. كلها زبله، كلها بلاستيك. البلاستيك مع الوقت باش يتحل. كي يتحل تاكلوا الحوته، ناكلوه نحن في قوش برواحنا. والا يتبخر في الهواء نشموه ويسبب برشا امراض. دونك ردوا بالنا خاصة البلاستيك لو ماكسيموم باش نحميو روحنا ونحميو. On a pêché le poisson. On a tué. Dans les intestins, on a trouvé les cailloux de phosphate dans son intestin. Quand on dépose les assiettes, quand on amène le phosphate, la poussière monte. Quand on lâche, ça ne sort plus. Le phosphate est la richesse du Togo. Et le phosphate nous aide beaucoup. Il nous donne de l'argent. Parfois, nos parents, même qui ne trouvent pas des travaux, ils trouvent les travaux en usine de phosphate. Merci. Le phosphate pollue gravement la mer. Si on lave ça, l'eau qui sort là, on jette ça dans la mer. Et quand tu passes vers, tu vas vers Gunkopé, tu prends le chemin de la plage, tu vas voir le phosphate dans la mer comme ça, la mer devient jaune quoi. Et ce n'est pas bon à voir quoi. Si les gens viennent voir ça, ce n'est pas du tout bon. On exploite le phosphate, mais on doit trouver une solution. On nous a montré un animal aussi qui est mort et on nous demande qu'est-ce qui est arrivé. On voit que c'est le phosphate
qui l'a fait tuer ou pas, nous on ne sait pas. Mais disons, on peut voir chez nous, ici on utilise les puits. On voit les eaux des puits, ça devient jaune. Nous voulons dire que il faut qu'on cherche une solution pour les eaux mauvaises qu'on jette dans la mer et ça crée des problèmes. Utiliser les scènes de sensibilisation des populations, mais faire du phosphate aux hommes. Deuxièmement, creuser des trous pour mettre l'eau sale dedans. L'eau qu'on prend pour laver les phosphates, creuser un trou pour les mettre dedans pour que ça ne pollue plus la mer. Troisièmement, éviter de construire les maisons au bord de la mer et des usines. Parce que quand vous construisez les maisons au bord des usines, c'est ça qui pollue, c'est ça qui gâte votre dent, quoi. Donc nous devons éviter ça aussi. Arrêtez de se baigner dans l'eau polluée parce que ça donne des maladies. Directeur. Secrétaire. Secrétaire. Employeur. Nageur. Délégation du village. Valley de Kalemi non ko phosphate phosphate besicola na binara pou me konare a munya na kwire kalemi le kwere ke polue na poa mi non agbe na me gom ke na deme na me fi fami le de kuku na mi ke deme na mi phosphate ale waka kaka la mi tete mi ngale go nde petete mi ngale o mi ba du le du mi a tro le to sun cafe le mi ya me do me de ka mi a ke nu la pou pore ka nya e mi de kuku na mi representant mi po mi agbo tro mi de kuku ngare na mi mi po mi agbo mi a ba du le zu cafe le mi a de mi a ko bo to te nya beni na mi de kuku na mi bo na mi dro. Etanye kuno nyomi nyabe phosphate le kwa myaji le togo va minyabe na le nami dolelia ele nami dolelia no vinyo badu tro su cafe no esio ke kin tro ba su cafe munyo ode mi po problem wa gbona mi mi le ji dole togo mi la no tume ba lagba no le doa enyoa enyoa nous tous c'est que le phosphate nous aide beaucoup mais en même temps le phosphate polluer l'environnement. Oh, chers parents, chers frères du sol, nous savons que le phosphate nous nourrit. Mais quand même, faut ralentir. Parce que le phosphate, ça ne peut pas bon. Les œufs de phosphate nous détruisent. Mais quand même, les dents des enfants se transforment noires, comme on peut le dire. Mais quand même, il faut ralentir un peu. Ça fait un peu de respect. Un peu. Yeah. Nous aide beaucoup, même quand le phosphate pollue l'environnement. Tout ça fait que le phosphate nous aide beaucoup, même quand le phosphate pollue l'environnement.
Lorsque vous arrivez à Benin et que vous garez votre voiture ou votre moto, ou lorsque vous rentrez dans la maison, vous voyez dans toutes les maisons des débris de phosphate qui se posent dans l'eau, dans les nourritures et même sur les habits. Vous portez un habit blanc, vous arrivez à Benin, au bout d'une heure de temps, même 30 minutes, votre habit devient totalement taché de débris de phosphate. Or, il est prouvé à partir des analyses que dans ces débris de phosphate-là, il y a des métaux lourds. Il y a plusieurs études, même des études commandées par la Banque mondiale et tout, qui sont là qu'on peut retrouver. Il y a des métaux lourds dans ces débris de phosphate. Et donc, tout ce qui se baigne dans la mer depuis Kwemé jusqu'à la mouchure d'Anéron, sont susceptibles d'être contaminés par des maladies. Et vous voyez bien que toute cette zone-là, la mer a une couleur totalement verdâtre jusqu'à la mouchure. Et on assiste à un ensablement total de la mouchure et même au-delà de la mouchure jusqu'au village comme les Sewatikopé et tout ça. Le lac est en train d'être totalement envasé. Et lorsque vous approchez les villageois, les villages qui sont tout autour du lac, ils pourront vous témoigner que le lac n'a plus sa profondeur naturelle, que l'écosystème autour du lac est en train d'être détruit, il n'y a plus tellement de poissons dans le lac, parce que les bouts de phosphate qui sont drainés par le courant marin, qui se retrouvent au niveau de l'embouchure, rentrent par le lac, et arrive jusqu'au niveau du village de Sewatikopé, et peut-être même beaucoup plus loin. Et donc, voilà les conséquences dramatiques de l'exploitation et du traitement de ce minerai-là. La guerre ou la révolution armée des militants nationalistes qui ont utilisé la première fois les armes contre le colonialisme, ils sont montés dans les montagnes, c'est aussi à partir du bassin minier de Gafsa. La compagnie des phosphates du bassin minier de Gafsa est une des premières pour le monde. Elle a été créée en 1888 et à travers cette compagnie qui a eu l'émergence d'une véritable révolution industrielle au sud de la Tunisie. Il y a eu l'électricité, le chemin de fer, les routes, les gares, les hôtels, les bars et les restaurants. En fait, toute une ville européenne qui s'est déplacée de l'Europe au sud de la Tunisie. Mais avec la concentration des ouvriers de tous les pays, d'Italie, de Malte, de Libye, d'Algérie, du Maroc, et des Corses, et voire même des Polonais, et des Français, cette concentration multi-ethnique et multiculturelle a donné lieu, ce brassage a donné lieu aussi à la naissance de grands mouvements politiques tels que les mouvements révolutionnaires, du mouvement anarcho-syndicaliste et surtout l'émergence des partis politiques de gauche et le syndicalisme. En fait, le syndicalisme est une continuité de l'environnement humain et industriel qui a été créé à travers la compagnie de phosphate de Gafsa. Ce lieu a été toujours un lieu de contestation contre la colonisation, contre le capitalisme et aussi contre toutes les formes d'injustice. Et des affrontements ont eu lieu plusieurs reprises, surtout en mars 1937 où l'armée a tiré sur les mineurs. Ça a été un événement très important dans l'histoire du mouvement ouvrier tunisien. Et depuis, la contestation connue, c'est certains le qualifient, ce n'est pas le bassin minier, c'est le bassin de la contestation. Toutes les contestations, pratiquement toutes, sont parties du bassin minier.
Pendant l'indépendance, ce fut le cas. Les grands affronts, les grands défis qui ont marqué l'histoire sont venus à partir du bassin minier. Les syndicats les plus en avance ou plus révolutionnaires sont déjà l'immolation de l'Azizi à Gasserine le 17 décembre 2011 fut certainement le moment où il y a eu effectivement le déclenchement de la révolution en Tunisie. Cependant, cette révolution a une histoire qui a commencé en 2008 avec une grève qui a duré 6 mois dans tout le bassin minier de la région de Gafsa. Et en fait, cette grève qui n'a jamais été, n'a jamais connu de semblable en Tunisie, a été le déclencheur de la mise à mort ou la fin de la culture de la peur qui a été largement imposée et développée par la dictature.